Longue histoire, comme toutes les passions d'enfance, parce que c'est une passion d'enfance et je la fais remonter assez loin. Éthologue, anthropologue, je dirais c'est après, mais je démarre par l'archéologie en fait. J'ai toujours été passionné par les populations anciennes, les objets, et dès l'enfance, par des lectures, j'ai toujours aimé je dirais les histoires d'archéologie, de découvertes, d'exploration et de trésors comme tous les enfants. Et ça a été, je dirais, peut-être le déclencheur, qu'un déclencheur pour beaucoup de personnes dans la recherche. Une curiosité enfantine liée à l'inexploré, à l'inédit, à la trouvaille, à la découverte. Et après, on n'en fait pas forcément un métier tout de suite. Voilà, ça a pris du temps. Mais pour moi, c'est passé aussi par des visites enfants dans les grottes du sud-ouest de la France, qui étaient, je pense à Pechmerle, par exemple, qui était à l'âge de 10 ans, en visitant ces grottes, effectivement, j'ai eu un choc d'enfant, mais qu'on peut avoir aussi à l'âge adulte, bien entendu, autour des peintures pariétales et des gravures. Des hommes préhistoriques. Donc une passion pour la préhistoire, très jeune. Et je dirais aussi des choses qui sont un peu de l'anomalie, parce que mon père m'achète non pas un ouvrage pour enfants sur l'archéologie, mais me donne dans les mains une revue scientifique. Alors si je me souviens bien, c'est Science et Avenir. Et dans ce Science et Avenir spécial sur la préhistoire de 71 ou 73, par là, en gros, il y a toutes les méthodologies de Leroy Gourhan qui sont expliquées. Donc je tombe tout de suite dans des papiers qui sont sérieux, un peu par hasard. Et voilà, ça rentre comme ça. Après, étrangement, comment dire, cet intérêt pour des choses anciennes et les choses compliquées, ces mots compliqués, parce que c'est des mots compliqués pour un enfant ou pour un jeune adolescent, ne me rebute pas, elle m'intéresse, ça m'intrigue. Donc effectivement, il y a une passion de ce côté-là. Et je me souviens, à la télé en noir et blanc en 71, écouter d'un côté Yves Coppens qui découvre la vallée de l'Homo et Lucie, et qui est dans des documentaires, ou plus que des documentaires, je pense que c'était des journaux télévisés où on faisait part des découvertes d'Afrique de l'Est. Donc un espèce de mélange aussi pour des informations très différentes qui arrivent là. Et puis par hasard, mais alors là c'est une espèce d'éclairage qui me revient maintenant là, un journal télévisé de la télé où on a un monsieur qui arrive de Californie et qui nous fait part de son expérience formidable à l'école de Palo Alto. Et ce monsieur, il s'appelle Edgar Morin. Et Edgar Morin, à la télé, parle de choses hyper compliquées à la fin d'un journal télévisé. Et j'étais, je dirais, sous le charme. Et surtout sous le charme de l'exigence. Et à la suite de cette chose-là, je ne sais pas, j'avais 12 ans ou 13 ans ou 14 ans, quelque chose comme ça, je fais commander à ma mère, dans une librairie, un gros livre qu'ils avaient donné. Qui était, maintenant j'y repense rétrospectivement, c'est quasiment surréaliste, qui était le débat entre Piaget et Chomsky. Donc un truc illisible, imbitable pour un enfant de 12 ans. Mais j'ai ça et je l'épluche en essayant de comprendre les mots compliqués de Piaget et de Chomsky. Donc c'est la naissance d'une passion et le fait de. Qu'on est intéressé par certaines choses qui ne sont pas du quotidien. C'est-à-dire, c'est des objets étranges pour le quotidien d'un petit provincial sur la Côte d'Azur.
où on parle d'aller faire de la voile, ou monter au ski, ou monter à la neige, comme on dit à l'époque. Et c'est ça les occupations. Et moi, je vois d'autres choses. Après, c'est par la rencontre de personnes et d'associations, où je fais partie d'une association, je rentre dans une petite association d'archéologues amateurs, Société d'archéologie hiéroise, la CHA. En 1974, je vais sur les premières fouilles archéologiques. Donc je suis tout jeune et je participe à des chantiers de fouilles. Et là, c'est effectivement commencer à gratter la terre, découvrir des objets inédits. Alors là, c'est sur un site hiérois qui s'appelle la Tour Fondue, qui est une villa gallo-romaine où on découvre des petits objets en verre, en céramique et autres qui font rêver. Il y a aussi d'autres expériences qui sont plus sous-marines, où moi j'étais passionné par l'exploration sous-marine, et effectivement avec des amis plus âgés, je les suis, on découvre sur une pas très loin d'une plage célèbre ailleurs, des morceaux d'une galère antique que nous allons, je dirais, farfouiller de façon illégale, malheureusement, et c'est aussi découverte de certaines passions et autres. Donc, autour de... voilà, il y a une ambiance de recherche pour le passé, d'exploration, et d'antif. Je sens bien qu'il faut faire autre chose, qu'il faut apprendre. Donc voilà, ça c'est, je dirais que c'est ces moments-là de l'enfance, c'est du bric et de broc. On attrape ce qu'on peut. Après, bien entendu, il y a les bibliothèques qui donnent accès à mille choses. Et puis, je dévore. Je dévore avec, en parallèle de l'archéologie, de la sociologie, de la psychologie. Et je suis passionné, comme beaucoup de jeunes, par les origines. Les origines humaines et toutes les théories qui vont avec. Et les théories qui vont avec sont des théories qui font rêver, je dirais, d'une certaine façon. Elles sont en grande partie, romancées. Je pense à un ouvrage, qui est l'ouvrage de Robert Hardray, African Genesis. Je me souviens du titre en anglais, mais il était en français, qui raconte les découvertes de Louis Leakey et de tous les grands explorateurs de l'Afrique préhistorique, donc d'Afrique de l'Est et d'Afrique du Sud. Donc en gros Raymond Dart, Louis Leakey et tous ceux qui vont venir ensuite. Et Hardray, qui est un excellent vulgarisateur américain des années 50-60, c'est un journaliste, va sur le terrain, interviewe réellement les chercheurs, et essaie de restituer les théories de l'évolution à sa façon, assez déterministe, je dirais celle de l'Amérique post-Deuxième Guerre qui croit profondément au développement et au progrès. Donc la vision de l'évolution est une vision particulière, mais qui est particulièrement vivante et qui donne envie d'aller chercher. Donc ça, c'est, je dirais, c'est une espèce de nébuleuse de choses croisées qui me confirme dans mon désir de faire de la recherche, d'étudier. Ensuite, c'est un bac littéraire et toujours des chantiers de fouilles archéologiques. Donc là, je vais fouiller avec Henri de Lemelay à Nice, dans la grotte du Lazaret, puis après à Tautavel, donc ça c'est dans le sud-ouest de la France, donc ça c'est des sites préhistoriques anciens, du paléo moyen, du paléo inf, du paléolithique inférieur, donc des périodes anciennes où on s'interroge sur les antés néandertaliens, les homo erectus et autres. Donc là j'apprends beaucoup, j'apprends aussi par le terrain. Et l'archéologie, ça se passe là, ça se passe dans ces communautés particulières. Les communautés d'archéologues et les chantiers de fouilles sont des lieux tout à fait étonnants où,
On vit ensemble, on vit un peu comme les hommes préhistoriques d'une certaine façon. On est dans la nature, on se lave dans la rivière, on fait cuire sur du feu. Voilà, il y a une socialité particulière des archéologues de cette époque-là. En tout cas, on est dans une archéologie qui est pas encore professionnalisée. Je dirais la réforme de l'archéologie en France n'est pas encore en place, elle va arriver très bien, très quelques années après. Mais c'est assez amateur et avec beaucoup de passion et beaucoup d'exigence. Mais le système de Lumley et sa façon très entrepreneuriale de faire de l'archéologie ne me plaît pas. Et je m'oriente plutôt vers des études à la Sorbonne. Pourquoi la Sorbonne? Parce qu'à cette époque-là, je voulais mettre un peu de distance entre mon lieu de vie, le Sud-Est, et mes propres envies, et qu'à la Sorbonne, il y avait une formation à l'archéologie, en histoire de l'art. Donc en rentrant par l'histoire de l'art, on pouvait faire histoire de l'art et archéologie, et je pouvais encore ménager mes deux passions qui étaient... à la fois la photographie, le cinéma et archéologie. Et donc je choisis Paris 1. Et là, on peut, jusqu'en licence, faire les deux, des études de cinéma et des études d'histoire de l'art et d'archéologie. Donc ce qui me laisse encore la possibilité au niveau de la maîtrise, de la licence et de la maîtrise, de choisir autre chose. Et là, je dirais que à Paris 1, ben c'est ça, avec un enseignement tout à fait passionnant à l'Institut Michelet, qui est à partir de la licence, on fait de l'archéozoologie, on fait de l'archéologie préhistorique, mais aussi de l'archéologie historique et proto-historique, avec Alain Schnapp, avec Jean-Paul Demoule, avec Yvette Taborin pour la préhistoire, avec Serge Cleuzieu, donc... on a une vision qui est tout à fait intéressante parce que Paris 1, c'est le lieu aussi où il y a la technologie culturelle, où il y a l'anthropologie leroy-gouranienne qui est enseignée, mais aussi où ces chercheurs qui viennent, qui ne sont pas sur la préhistoire ancienne, qui sont sur l'antiquité de la proto-histoire, viennent avec les théories de la New Archaeology, et qui invitent énormément de chercheurs venant des États-Unis ou d'Angleterre. Je pense à Ruth Tringham, je pense à Glyn Isaac, qui va être quelqu'un qui va compter pour moi dans ma carrière. Je pense à Bob Wallon, donc des spécialistes des chasseurs-cueilleurs, qui enseignent dans les universités nord-américaines et qui... amène une autre vision de l'archéologie, donc fondée sur la New Archaeology, qui est ce courant nord-américain qui repense l'archéologie au regard des apports de l'ethnologie et des sciences, je dirais, archéométriques également, et qui modélise. Donc qui pose des hypothèses, qui pose des questions et qui vont chercher à les vérifier dans les terrains. Alors que l'archéologie francophone, elle était plutôt empirico-inductive. Donc elle démarrait des terrains et puis à partir des terrains, bâtissait des interprétations et montait en généralité. Là, on est dans une démarche inverse. Et donc à Paris 1, le mérite d'Alain Schnapp, de Jean-Paul Demoule, des ethnologues qui vont venir enseigner, je pense à Pierre Lemonnier, que je vais rencontrer comme étudiant en 1983, qui enseigne à Paris 1 en archéologie. Je pense aussi à François-René Picon. Picon et Lemonnier sont deux ethnologues qui viennent enseigner l'ethnologie des techniques et de la culture matérielle aux archéologues. Donc il y a un grand brassage intellectuel dans les années 80 à la Sorbonne, où l'archéologue n'est pas cantonné à l'archéologie. En gros, il est en contact avec beaucoup d'autres disciplines.
Et puis vont arriver dans ces séminaires-là de culture matérielle Bruno Latour, Maurice de Godelier, François Cigaud, des gens très, très divers, des psychologues aussi, parfois des spécialistes, je dirais, d'archéométrie également. Donc on passe des humanités aux sciences techniques, en passant par les sciences de la nature. Les enjeux sont des enjeux théoriques et thématiques, et ils donnent une vision très, très, très riche. Et on évoque autant la psychanalyse que d'autres disciplines pour interpréter l'archéologie, les découvertes et les sites archéologiques. Donc y a ça qui joue. En parallèle, l'été, il y a la participation aux fouilles archéologiques de Pincevent. Et à Pincevent, le roi Gouran est encore là. Il va décéder en 85, si je ne me trompe pas, ou en 86, non, 85. Et le roi Gouran est, je dirais, omniprésent dans la formation. Sa vision, elle est très large, et pour moi, elle est un modèle. Elle reste aujourd'hui un modèle et me sert toujours de guide ou de contrepoint pour penser, élaborer mes hypothèses. Donc, il y a je dirais, une grande diversité et une grande interdisciplinarité que donne l'archéologie, que donne pas l'anthropologie seule. Je dirais l'anthropologie telle qu'on l'enseigne aujourd'hui. Peut-être il y a 30 ans ou il y a 40 ans, l'anthropologue, il devait faire de la topo dans sa formation, il devait aussi être du côté de la linguistique, il devait être aussi formé à l'anthropologie biologique et autres. Donc pour moi, c'était un univers assez riche. Et quelles étaient mes préoccupations? Ben, c'était toujours travailler sur les origines de l'homme, mais amener à penser l'altérité extrême des sociétés préhistoriques anciennes. Dès ma licence, dès la sortie de la licence, où on me demande de réfléchir à un projet de master, c'est à ça que je m'attaque. Comment penser autrement les hommes qui vivaient il y a 2-3 millions d'années? Parce que je voyais bien que les modèles que je lisais, ils n'étaient pas satisfaisants. Et dès 1978, j'étais tombé sur un article de Pour la Science de Glyn Isaac, qui est un préhistorien américain d'origine anglo-saxonne, qui était un des promoteurs de la New Archaeology et qui avait dirigé les fouilles de Kobi Fora dans le nord-est du Turkana, au Kenya. Et qui était le seul, à ma connaissance, à avoir utilisé des modèles de singes pour comprendre les comportements territoriaux des premiers humains. Et qui avait développé une théorie autour du home base et de toutes les théories autour du central place foraging, donc autrement dit d'une place centrale desquelles les chasseurs-cueilleurs partaient chasser, collecter et se retrouver. En des lieux particuliers. Et ces réflexions qui mêlaient à la fois l'ethnologie des chasseurs-cueilleurs, les données de l'éthologie et les données de la préhistoire étaient pour moi le meilleur modèle et je voulais suivre son exemple. L'avoir rencontré et avoir pu aussi échanger était pour moi une option vraiment idéale. Et avec la puis je dirais, de la fondation FICEN, puisque je vais devenir boursier de la FICEN, qui est une fondation franco-américaine, en 85, avec le soutien de Pierre Lemonnier, d'Alain Schnapp, de Maurice Godelier. J'obtiens une des premières bourses FICEN. On est en 85, je suis en DEA, et l'idée, c'est de partir étudier avec Glyn Isaac à Boston, et avant il était en Californie, puis là il était à Boston à ce moment-là, et d'essayer d'aller faire du terrain avec lui en Afrique de l'Est pour travailler sur la cognition des premiers hominidés à partir des modèles singes.
Ça, c'était le projet de thèse. Donc, il y avait déjà une préparation, 7 mois avec lui aux États-Unis, et après, on serait parti au Kenya travailler sur des données archéologiques, sur des outils en particulier. Et en fait, ce qui se passe, malheureusement, Glyn Isaac décède soudainement. Il attrape une maladie qu'on ne connaîtra pas. Et il décède au Japon, à la suite d'un congrès, dans l'aéroport. Mort foudroyante, une maladie attrapée en Afrique, vraisemblablement. Et il est rapatrié, son corps est rapatrié. Et c'est une perte énorme pour la recherche nord-américaine et sur la recherche africaniste de l'époque. Tout ça, ça se fait aussi pour moi en suivant de l'anthropologie biologique, puisque j'essaie de mêler aussi les sciences du comportement. Et donc, je fais une double formation à la Sorbonne d'un côté, et en archéologie et préhistoire, et à Jussieu en biologie évolutive. Et donc, j'essaie de mêler les deux. Le projet avec Glyn Isaac ne marche pas. Et je suis obligé d'attendre. Je pars aux États-Unis quand même, avec le soutien de Bob Wallon, qui me dit il faudrait que tu ailles suivre les étudiants de Glyn Isaac. Et Henry Bunn et Helen Kroll, qui sont deux de ses anciens doctorants, sont devenus enseignants à Madison. Donc je pars étudier à Madison, dans le Wisconsin. L'archéologie, la préhistoire africaine. Et si on choisit Madison, c'est pas par hasard, c'est aussi qu'il y a un primate center important. Et à ce moment-là, il y a un chercheur qui va devenir célèbre après, qui s'appelle Franz Deval, spécialiste des chimpanzés et des macaques. Il travaille sur les macaques à ce moment-là. Et il commence ses travaux sur les bonobos également. Et donc c'est pour moi le moyen de suivre, d'échanger avec Franz Deval et de suivre un cursus nord-américain en archéologie africaine et en préhistoire des origines dans la lignée de ce que faisait Glyn Isaac. Le retour il se fait un peu tristement des États-Unis parce que en gros, j'ai claqué un peu l'argent de ma bourse. J'ai beaucoup appris. J'ai fait un tour des popotes. J'ai rencontré Geza Teleki, Jane Goodall aussi, Tim Ingold et un certain nombre de spécialistes des chasseurs-cueilleurs pour essayer de voir comment je fais, vers où j'oriente ma thèse. Mais en France, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la cohabitation et tous les crédits recherche vers l'Afrique sont arrêtés dans les tensions entre Chirac, Premier ministre, et notre président Mitterrand. Et voilà, ça se passe un peu difficilement, donc il va me falloir beaucoup de temps pour retrouver de l'argent, remonter des projets et repartir en Afrique. Et c'est d'une certaine façon avec l'appui d'un autre chercheur, un autre spécialiste des chimpanzés qui s'appelle William McGrew que j'entre en contact avec des primatologues qui travaillent en Côte d'Ivoire et c'est Christophe Bush et sa femme Edwige Bush qui travaillent sur les chimpanzés et qui vont me donner une autre porte de sortie pour pouvoir les travailler sur les chimpanzés et élaborer un projet de thèse.